Bonsoir, bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Soyez vraiment les très 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 bienvenus, vous qui êtes ici, dans cette belle grange de la ferme du Biérot à Louvain-la-Neuve, vous qui nous regardez de plus loin. Je salue, parce qu'on vient de me le signaler, des amis qui sont en train de nous regarder au Rwanda. Mais il n'y a pas qu'au bout du monde, il y a parfois dans les villages voisins, tout près de nous, mais pas ici dans cette salle, d'autres femmes, d'autres hommes qui s'associent fraternellement à notre célébration. Et nous avons beaucoup, beaucoup de chance pour cette célébration de la Vigile Pascale d'accompagner notre cheminement avec quelqu'un qui compte beaucoup, beaucoup pour nous, Benoît. Viens donc près de moi. Okay. Au lieu de on avait pourtant répété. Mais ça, tu ne devais pas dire. On va répéter. Il croit que nous ne répétons pas et que tout est absolument spontané. C'est pas le cas, malheureusement. J'ai ma lunette, j'ai pris dans le bazar. Qu'est-ce qui est pris dans le bazar? Bon, oui, voilà. Ce sont les lunettes. Je pense que derrière le petit écran, ils sont déjà de très très bonne humeur, là. Alors, Benoît, ton film, que ceux qui sont ici ont eu la chance de voir il y a 2 heures, à Bible, la grande aventure, ça aurait dû, si j'ai bien compris, s'appeler le Saint-François de Molenbeek. Oui. Qui était un titre plus percutant, celui que tu souhaitais d'ailleurs, et qui est un excellent résumé du film en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en France, quand on a proposé le titre au distributeur français, il faut voir le distributeur au cinéma, c'est la personne qui a les droits pour donc diffuser le film dans les salles de cinéma. Tout de suite, il nous a dit « ça va pas, Molenbeek, ça reste un traumatisme pour la France ». Mais c'est vrai, on peut en rire, mais quand on sort un film, on est déjà fragilisé, donc on se dit « oula ». On s'est regardé avec mon producteur, est-ce qu'on va contre ou... Et là, on s'est dit ben, « si c'est pour un traumatisme, on va pas non plus, on va respecter ça ». Et donc, on a appelé ça avec un titre beaucoup plus convenu, « Habib, la grande aventure ». Et on le regrette encore aujourd'hui, mais voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'en discutant dans les salles en France, quand je faisais les avant-premières, les gens me disaient, parce que j'expliquais ce que j'explique ici, les gens me disaient « oh, c'est dommage, c'était beaucoup mieux Saint-François de Molenbeek ». Et en plus, que c'est une réhabilitation de cette commune, qui était quand même ostracisée par la presse française et plus. Donc voilà, ça c'est une déception, une tristesse par rapport à la sortie de ce film. Par contre, une grande joie, c'est la manière dont tu rends François d'Assise tellement présent, tellement actuel, bien sûr, à travers Christian Bobin. Tu m'as dit un jour, il m'a labouré l'âme. Oui, je suis content qu'il soit honoré ce soir, parce que s'il est Christian Bobin est décédé à l'automne dernier, je pense que pour moi, en tout cas, s'il était très important, vraiment, ça a labouré, détartré mon âme pendant plus de 20 ans. J'ai un immense, je lui dois énormément de choses et je trouve ça magnifique de l'honorer cette veillée de Pâques, avec des textes d'ailleurs, il y en aura d'autres. Et voilà, et oui, c'est ce livre, Le Trébat, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous conseille, c'est un de ses plus beaux livres, qui est une biographie revisitée de Saint François d'Assise. Et comme je le disais, François d'Assise, c'est à la fois Bobin et à la fois c'est un chantre qui pourrait être un chantre contemporain de la décroissance heureuse. Je pense que le monde a besoin de décroissance au niveau pour que cette planète survive. Et je pense que son rayonnement serait encore formidable aujourd'hui. Voilà, c'est une image chrétienne, mais au-delà de ça, c'est vraiment une icône de, je pense, à suivre, de vivre plus heureux avec moins de choses, comme il le disait, que de lier la joie au dénuement, ce qui est un peu paradoxal. Et cette vérité-là, elle est magnifique. Merci à François, merci à Bobin, et je te dis merci à toi parce que tu allèges formidablement ma tâche ce soir. Je n'ai quasi rien à faire, mais vous allez voir. Non. Et entendre surtout le prédicateur du début à la fin, c'est lui. Il m'a bien eu. Il m'a dit, Benoît, est-ce que ça te dirait de présenter ton film devant 300 personnes? J'ai dit, évidemment, le film n'avait pas marché. Pour moi, c'était un grand bonheur. Et on s'est revus dans un bar à Louvain-la-Neuve. Il a sorti sa mallette. Il m'a sorti 6 textes de la liturgie. Il m'a dit, et si tu peux commenter tout ça, ça me ferait plaisir. J'ai dit à ma femme, mais je ne suis pas curé, c'est lui le curé.
Donc voilà. Mais les temps changent. Tant pis pour vous, ça m'a fait un peu flipper. J'ai aussi un sentiment d'imposture, parce que voilà, je suis croyant, fier de l'être, et je disais à ma femme, mais j'ai une foi sûrement plus brinque-ballante que l'auditoire qui va m'écouter. Donc ce qui conforte un peu mon sentiment d'imposture, mais on va essayer de faire le maximum, et j'ai surtout emprunté aussi pas mal de choses de Bobin pour continuer à lui rendre hommage ce soir, lui qui est décédé fin de cet hiver passé. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille de le lire. Je pense qu'il y a une réédition folio chez Gallimard de toute son œuvre. Pour 30 euros, vous pouvez lire tout. Je ne touche aucun émolument. Benoît Mariage, agent de Bobin. Merci beaucoup, Benoît. Et c'est François d'Assise qui nous embarque dès le chant d'ouverture. Regarde-moi, je vais partir. Le prêtre te craignait, et toi, tu crains de perdre tes sous. La souris a peur du chat, le chat a peur du chien. Ainsi, allez-vous tous, suant sous vos morales, tremblant de peur sous vos principes. Au commencement était la peur, et la peur était avec la loi, et la peur était votre unique loi. Regarde-moi. Je vais partir. Je ne m'agenouille plus devant vos lois. J'ai trouvé mon seul maître. Je vais mettre à profit ton expérience des affaires. Je vais traiter de main à main avec l'Éternel.
engager jusqu'au dernier sou de mon âme et recevoir en échange toute la création. Regarde-moi. Je vais partir. Il te faudra trouver un autre pour tenir la boutique et le nom, pour continuer la vieille histoire. Regarde-moi. Je vais partir sur des chemins d'enfance. Je te dois quelques sous, ceux que je t'ai pris pour les lancer à Dieu. Toi qui connais le prix des choses, toi qui, des choses, ne connais que leur prix. Regarde, j'enlève mes vêtements. Je m'en dépouille, ici, devant toi, devant l'évêque et tous ces gens de bien. Regarde le tas que ça fait sur cette dalle. Soupèse, calcule. Je t'ai bien remboursé. Je ne te dois plus rien. Je peux donc m'en aller, nu comme une pierre, nu comme un brin d'herbe, nu comme la première étoile dans le ciel noir. Abraham s'est levé. Il lui était demandé infiniment. Il lui était demandé de quitter sa famille, son pays, ses amis. Il est toujours demandé infiniment à celui qui désire d'un désir infini. Et Abraham s'est levé, est parti, et Moïse, et David, et tous se sont levés. Et dans le geste de se lever, ont perdu leurs vêtements de langue, leurs vêtements d'amitié, leurs vêtements de sagesse. Et tous ont reçu l'infini dans leur cœur mis à nu. Mais pour ceux qui ont vu le film, c'est exactement les propos d'Habib, je pense, ce départ d'Habib par rapport à son père. Alors, mon premier texte, c'était pour les adolescents. Mais où sont-ils, les adolescents? Je ne les vois pas. Rassurez-vous, ils ont quitté les églises et ils ont aussi quitté les salles de cinéma. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne voient pas de films, comme ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne vivent pas une spiritualité peut-être différente de nous. Alors, à vous. J'avais envie de parler avec les phrases aussi de Bobin, qui m'ont énormément résonné quand j'avais une vingtaine d'années, un peu plus. On ne peut confier à personne que l'on voudrait quitter cette vie pour une autre et que l'on en sait comment faire. Comment dire à vos proches « Votre amour m'a fait vivre, à présent il me tue » Comment dire à ceux qui vous aiment qu'ils ne vous aiment pas? Il y a un temps où les parents nourrissent l'enfant et il y a un temps où ils l'empêchent de se nourrir. Les fils qui se fortifient dans une lutte avec leur père finissent étrangement par lui ressembler au soir de leur vie. Ces mots sont ceux de Bobin. Ils sont peut-être une ode à la trahison. Alors on pourrait peut-être bénir et dire « Bienheureuse trahison ce soir ». Moi, je pense qu'il faut trahir ses parents, car la famille n'est pas une démocratie, mais bien une monarchie. Trahir donc, ce n'est pas juste transgresser les règles, mais c'est affirmer ses propres règles face aux leurs, ses principes de vie et les assumer. Trahir ne signifie pas pour autant rejeter ou rompre avec sa propre famille, car il s'agit là d'un lien d'appartenance précieux. Il faut bien sûr lui laisser une place importante dans sa vie, mais plus de manière inconditionnelle, au point de se nier et de renoncer à soi-même. Trahir ses parents, c'est en fait renoncer à se trahir soi-même. C'est grâce à cette trahison que l'on peut commencer à se découvrir et à tendre vers plus d'authenticité. Et c'est bien là le sujet du film que vous venez de voir tout à l'heure. Amina baba yetu yetu liye njina la
lago erit kuzwe Baba yetu yetu lien binguri yetu yetu Amina baba yetu yetu lien Njina lako erit kuzwe Baba yetu Les oiseaux sont les premiers locataires de la Bible, bien avant l'apparition de l'homme, juste après l'éveil de Dieu. On ouvre le livre à sa première page, et c'est aussitôt le chahut. Milliers d'oiseaux dans l'incendie de Dieu, milliers de battements d'ailes dans la panique d'amour. Dieu, qui fait les animaux, ne connaît pas leur nom. Yahvé, Dieu, modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. Les bêtes, auprès de Dieu, vivaient loin de leur nom. Elles gardent en elles quelque chose de ce premier silence. Par un côté, elles tiennent de Dieu, et par l'autre côté, elles tiennent de l'homme. Elles errent, craintives, entre les deux. C'est à ces débuts que François d'Assise revient en prêchant aux oiseaux. En leur donnant un nom, l'homme les enfermait dans son histoire à lui, dans le fléau de sa vie et de sa mort. En leur parlant de Dieu, François les délivre de cette fatalité, les renvoie à l'absolu d'où tout s'est échappé, comme d'une volière ouverte. Il parle aux hirondelles et s'entretient avec les loups. Il entre en réunion avec des pierres et organise des colloques avec des arbres. Il parle avec tout l'univers, car tout a puissance de parole dans l'amour. Car tout est doué de sens dans l'amour insensé. Un moineau parle. Je suis une nuit de pain dans la barbe du Christ, un brin de sa parole, de quoi nourrir le monde jusqu'à la fin du monde. Un rouge-gorge parle. Je suis une tache de vin sur la chemise du Christ, un éclat de son rire au retour du printemps. Une alouette parle. Je suis l'ultime soupir du Christ. Je cogne du bec au ciel bleu clair. Je demande que l'on m'ouvre. J'emmène dans mon champ toute la terre. La vie n'est pas une plaisanterie. Tu la prendras au sérieux. Comme le font ici le moineau, le rouge-gorge et l'alouette. Sans rien attendre du dehors et sans rien attendre de l'au-delà, tu n'auras rien d'autre à faire qu'à vivre. Les hommes ont peur des femmes. C'est une peur qui leur vient d'aussi loin que leur vie. C'est une peur du premier jour, qui n'est pas seulement peur du corps, du visage et du cœur de la femme, qui est aussi bien peur de la vie et peur de Dieu. Les femmes ne sont pas Dieu. Enfin, les femmes ne sont pas tout à fait Dieu. Il leur manque très peu pour l'être.
Il leur manque beaucoup moins qu'à l'homme. Les femmes sont la vie en tant que la vie est au plus près du rire de Dieu. Les femmes ont la vie en garde pendant l'absence de Dieu. Et les hommes, ne pouvant dépasser leur crainte des femmes, croyant la dépasser dans des séductions, des guerres ou des travaux, mais ne la dépassant jamais réellement, les hommes, ayant une peur éternelle des femmes, se condamnent éternellement à ne presque rien connaître d'elles, presque rien goûter de la vie de Dieu. Parce que ce sont des hommes, les hommes, qui font les églises. Il est inévitable que les églises se méfient des femmes, comme d'ailleurs elles se méfient de Dieu. Nul, plus que le Christ, n'a tourné son visage vers les femmes comme on tourne ses regards vers un feuillage, comme on se penche sur une eau de rivière pour y puiser force et goût de poursuivre le chemin. Les femmes sont dans la Bible presque aussi nombreuses que les oiseaux. Elles sont là au début et elles sont là à la fin. Elles mettent le Dieu au jour. Elles le regardent grandir, jouer et mourir. Puis elles le ressuscitent avec des gestes simples de l'amour fou. Les mêmes gestes depuis le début du monde, dans les cavernes de la préhistoire, comme dans les chambres surchauffées des maternités. Heureusement pour nous, les femmes sont au début et les femmes sont à la fin, dans la Bible et d'ailleurs dans le cinéma. Mais la vraie question n'est pas là. Elles sont représentées certes, mais comment sont-elles représentées ? On en a parlé tout à l'heure, le wokisme, mais le male gaze, ou regard masculin, est un concept apparu dans les années 70. Il tente à montrer que le regard sur la femme au cinéma, dans la publicité, dans les jeux vidéo, ou même en littérature, nous a trop souvent été imposé par celui de l'homme hétérosexuel, pur produit de la société patriarcale. Ce regard a le plus souvent transformé les femmes en objets de désir. Nombre de films sont empreints de cette vision réductrice. Les femmes y sont représentées comme passives, alors que les hommes, en tant que figures patriarcales fortes, sont quant à eux les moteurs du récit, actifs et narrateurs de l'action. Alors doit-on étendre cette suspicion de male gaze aux évangiles écrits, je ne vous l'apprends pas, par quatre hommes ? La question reste ouverte, mais à vrai dire, elle me taraude guère. Car si on me demandait aujourd'hui, Benoît, filme une scène des évangiles, sans hésiter, c'est marrant parce qu'on y reviendra, et on la chantera même, j'aurais choisi la Samaritaine. Et alors le Christ, me direz-vous, juste en arrière-plan derrière, juste assez pour une nomination pour le Magritte du meilleur second rôle masculin. Parce qu'on va faire un peu de théorie de cinéma, hein, je ne vais pas vous bassiner toute la soirée avec ça, mais dans un film, à quoi s'attache un spectateur ? Un spectateur s'attache au parcours héroïque d'un personnage que nous allons vivre en tant que spectateur par procuration. Alors pour le Christ, peut-on parler de parcours héroïque ? Oui, peut-être, en tout cas cette dernière semaine, hein, ça a été chaud, mais le reste, pendant 30 ans, finger, les doigts dans le nez, comme on dit. Parce que comme Obélix, rien de compliqué, quand on est tombé dedans quand on est petit, tout paraît facile. Et croyez-moi, au cinéma, les personnages sans faille, il n'y a rien de plus pénible. Et dans la vie d'ailleurs aussi. Donc le Christ, on oublie. Par contre, nous, cinéastes, ce qu'on aime, c'est la vulnérabilité. Ce qu'on chérit, on la chérit et on la traque, comme les cèpes ou les bolets à l'automne dans les bois. Car c'est par elle qu'on rentre dans les personnages, et c'est elle qu'on reconnaît, car elle fait tellement partie de nous. À ce titre, quel bonheur serait de filmer la Samaritaine au bord du puits.
Et à vrai dire, je me sens si proche d'elle. Je peux tellement comprendre ses yeux couverts de honte, fixant le sol. Je peux tellement comprendre ce regard blessé qui a du mal à soutenir celui du Christ. Je chéris sa honte. Je chéris sa douleur, du mépris à son égard pour sa vie amoureuse chaotique. Et puis, que dire de cette transformation du cœur dans cette très belle et très longue conversation qu'elle a avec le Christ? Il est là le parcours héroïque qui nous bouleverse à jamais. Ce regard éteint qui soudain s'illumine. Il est là le mystère de Pâques. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu Amina baba yetu yetu liye mjina lako eritukuzwe Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu Amina baba yetu yetu liye mjina lako eritukuzwe Baba yetu yetu baba liye yetu. Dieu, cette vieillerie de Dieu, cette vieille bougie de Dieu brûlant au noir des siècles, ce feu follet, rouge sang, cette misère d'une chandelle mouchée par tous les vents, nous ne savons qu'en faire. Nous sommes des gens de raison, nous sommes des adultes. Nous ne nous éclairons plus à la bougie. Nous avons un temps espéré que les églises nous délivreraient de Dieu. Elles étaient faites pour ça. Les religions ne nous dérangeaient pas. Les religions sont pesantes et la pesanteur nous rassurerait plutôt. C'est la légèreté qui nous fait horreur. Cette légèreté de Dieu en Dieu. De l'esprit en l'esprit. Et puis, nous sommes sortis des églises, nous avons fait un grand chemin, de l'enfance à l'âge adulte, de l'erreur à la vérité. Nous savons à présent où est la vérité. Elle est dans le sexe, dans l'économie et dans la culture. Maintenant, nous avons grandi. Maintenant, nous ne croyons qu'à ce qui est puissant, raisonnable, adulte. Et rien n'est plus puéril que la lumière d'une bougie tremblant dans le noir. Dieu, cette pauvreté de Dieu, ce grésillement de la lumière dans la lumière, ce murmure du silence au silence. C'est à ça qu'il parle, François d'Assise, quand il parle aux oiseaux. Oui, Dieu, comme dit Bobin, cette vieillerie de Dieu qui nous occupe encore ce soir. Mais Dieu, où es-tu donc ? C'est tout simple. Je suis là où on me laisse entrer. La vie spirituelle n'est peut-être rien d'autre que la vie matérielle accomplie avec soin, calme et plénitude. Quand le boulanger fait parfaitement son travail de boulanger, Dieu est dans la boulangerie. Comme il est l'air.
Loué sois-tu pour notre sœur la mort. Celui qui écrit cette phrase, celui qui a en lui le cœur de la prononcer, celui-là est désormais au plus loin de lui-même et au plus proche de tout. Loué sois-tu pour notre sœur la mort. En lançant son amour loin devant lui vers l'ombre qui vient le prendre, François d'Assise lève le dernier obstacle. Comme un lutteur défait son adversaire en le prenant par les épaules pour lui donner une accolade. Loué sois-tu pour notre sœur la mort. Voilà. C'est dit, c'est fait. Il n'y a plus rien entre lui et lui. Il n'y a plus ni passé, ni présent, ni avenir. Plus rien que Dieu très bas, soudain très haut. Soudain, partout répandu comme de l'eau. Le reste. Vaut-il la peine d'écrire le reste ? Qui prend apparemment fin le samedi 3 octobre 1226. Il ferme lentement les yeux, comme sous le charme d'une pensée profonde, si profonde qu'il en retient son souffle. Un enfant qui interrompt ses jeux sans raison, visible et reste là, soudainement pâle, immobile, muet, ne sachant plus que sourire. Ce sont souvent la tristesse et la douleur de l'absence qui permettent aux défunts de rester à nos côtés. Alors si l'on accepte un jour d'être consolé, sombreront-ils ces défunts alors dans la nuit ? Les défunts perdent leur voix, ils sont désarmés dès qu'il s'agit d'articuler, mais heureusement on peut parler pour eux, et parfois même on peut les entendre. Comment puis-je être mort puisque tu m'aimes ? Baba,
Amina Baba Yetu Yetu Liye Injina Lako Feli Tukuzwe Baba Yetu Yetu Liye Chinguni Yetu Yetu Amina Baba Yetu Yetu Liye Injina Lako Feli Tukuzwe. Si avec ça la résurrection n'advient pas, j'y perds mon christianisme. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur. Mais il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Acclamons cette parole de Dieu. Deux lignes, juste deux lignes sur l'événement de la résurrection. C'est ce qui me frappe, le plus grand mystère de la chrétienté résumé en deux lignes. C'est si court pour quelque chose de si extraordinaire. On aurait évidemment pu en faire plus, on aurait pu broder ou s'étaler, on aurait pu en faire des pataquès, mais là, deux lignes. En fait, c'est comme les excuses embarrassantes, plus on brode, plus on s'épanche, moins l'excuse paraît plausible, donc cette brièveté pourrait être considérée comme un signe de véracité. Je dirais même qu'une chose si énorme, rapportée de façon si directe et si succincte, ne peut être que vraie. La seconde chose qui, moi, me frappe, alors on ne parle pas directement, mais dans cet évangile, c'est l'amnésie de Marie, la mère de Jésus, ou plutôt son oubli. On lui avait pourtant bien dit que son fils était un peu extraordinaire, qu'il n'était pas tout à fait comme les autres et qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Mais voilà, 30 ans plus tard, elle a oublié Marie. Comme ces trois femmes citées dans l'Évangile, elle court, elle pleure et ne voit que l'étendue de la perte. Elle a oublié, rattrapée par son cœur de mère. Cette sorte d'oubli au plus essentiel et du plus essentiel est tellement humain qu'il me fait dire que tout ça ne peut être que vrai. Mais nous aussi, comme Marie, on oublie. Quatre lignes, juste quatre lignes. Pour moi, c'est les plus belles lignes de la Bible. Alors, bon, je ne l'ai pas lue entièrement. Mais peut-être son unique promesse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Mais force est de constater qu'on l'orage s'abat de façon soudaine. Souvent, je geins, je pleure, j'hurle, je maudis, mais dans le vacarme de mes plaintes, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu celui qui est derrière la porte et qui frappe. Alors silence. Enfin, si je prends le point de vue d'un cinéaste, ce que je filmerai dans l'évangile qu'on vient de dire, ce n'est ni le tombeau vide, ni l'annonce de la résurrection que je filmerai. Ce que je vois, c'est juste la course éperdue de ces trois femmes sur les chemins caillouteux menant à la grotte. Marie-Madeleine, Marie et Salomé. Ce que j'appréhende pour elles, ce n'est pas la découverte morbide qu'elles pourraient faire, c'est juste la perte possible du précieux flacon de parfum qu'elles tiennent dans leur course chaotique. Et si c'était ça le miracle de Pâques ? Cet irrépressible
et l'un de ses trois femmes à prendre soin d'un mort. Nous y voilà, prendre soin. Si c'était juste ça qui nous était demandé, non, surtout pas se braquer, à miser tout sur la résurrection. Ce phénomène si étrange, et si aléatoire. Non, il y a plus urgent. Prendre soin, comme ces trois femmes. Prendre soin de soi, prendre soin de ceux que l'on aime, autant de ceux que l'on croise. Prendre soin du ciel et de la terre, cette terre que l'on piétine sans entendre sa souffrance. Prendre soin, comme Madeleine, Marie et Salomé. Ou comme celle que Christian Bobin, dans ce livre magnifique qui s'appelle « Le bien-nommé ressuscité », parle de la bibliothécaire du Creusot, et ses pages sont magnifiques, page 71. J, que beaucoup appelaient mademoiselle, alors qu'elle avait déjà 60 ans, travaillait comme bibliothécaire dans le centre culturel, recouvrant de plastique de lourds livres d'art qu'aucun lecteur ne venait emprunter. Ses goûts, son humour et l'éteinte de ses robes, tout en elle semblait fragile et quelque peu désuet, comme une aquarelle où le rose aurait dominé. Une douceur et une bienveillance cernaient ses yeux, cernaient les yeux de celle qui, parce qu'elle n'avait jamais causé de mal, aura traversé cette vie sur la pointe des pieds, sans que nul ne la voie, sa mort ne faisant pas plus de bruit que de la neige tombant sur de la neige. Peut-être le monde est-il continuellement sauvé de l'anéantissement auquel il tend par de tels êtres que personne ne jamais ne remarque. C'est ça le miracle de Pâques. Le tombeau de mon ami, quelqu'un a fait rouler la pierre. Voyez, son corps n'est plus ici. Regardez, le tombeau est vide, les bandelettes abandonnées. Qui a bien pu nous l'enlever? Pourtant la pierre était solide. Je voulais m'occuper de lui et parfumer son corps. Hier il était mort, je ne sais pas où on l'a mis. Laissez le cœur en larmes dans le jardin près du caveau. Et ces deux hommes qui me parlent à l'intérieur de ce tombeau. Qu'ont-ils important à me dire? Ils voient bien que je suis perdue. Parfumer son corps. Hier il était mort, je ne sais pas où on l'a mis. Notre chéri, toi qui m'appelles, je t'avais pris pour le gardien. Ton absence était si réelle, mais voilà que tu me reviens. Tu m'as dit d'aller vers mon frère et de ne pas te retenir. J'étais venu t'ensevelir. Toi tu montes vers le Père. Je voulais m'occuper de toi, te couvrir de parfums. Tu n'en as plus besoin dans ce pays où tu t'en vas. Je voulais m'occuper de toi. Ton esprit maintenant sera toujours vivant comme un parfum.
dans la nuit de ce monde, en bordure d'évangile, un feu couvre sous la cendre. Je connais par bonheur l'allumeur de ce feu. Amoureux des étoiles et curieux de la terre, ce passeur de lumière nous a ouvert les cieux. Seigneur, toi qui au sortir de la nuit du samedi nous offres l'humble lumière d'une nouvelle présence, regarde le cierge que nous t'apportons et bénis-le. Et que la lumière du Christ, commencement et achèvement de toutes choses, alpha et oméga, dissipe les ténèbres. Oui, que cette lumière éclaire notre nuit et que germe la joie du samedi pour les siècles des siècles. Allégria, come un lampo di vita, alleluia, come un pazzo grida, allégria. Allégria, allégria, come un lampo di vita, alleluia, alleluia, come un pazzo grida. Come la rabbia di amare, alleluia, un danzante di gioia. Allegria, allegria, come un lampo di vita, alleluia, alleluia, come un pazzo di vita, allegria, allegria, perdere il tuo sorriso per la luce. Come la rabbia di amare, alleluia, come un santo di gioia. Il est bon de franchir chaque jour une étape, comme l'eau vive qui ne stagne pas. Hier s'est enfui. L'histoire d'hier, elle aussi, est passée. Il convient aujourd'hui de raconter une histoire nouvelle. L'eau qui coule n'est pas lasse des poissons. Et le poisson n'est pas las de cette eau qui coule. Ni l'âme ni le monde ne sont là des amoureux, ni l'amour n'est là de l'âme et du monde. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. Cette eau vive qui n'est pas lasse des poissons, cette eau brûlante qui n'est pas lasse des amoureux, Seigneur, bénis-la. Oui, bénis l'eau de notre baptême, qu'elle devienne source de vie pour toutes celles et tous ceux qui la recevront, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que descende dans la profondeur de cette eau la puissance de l'Esprit-Saint. Que cette eau lave nos blessures et nos peines et qu'elle ravive en nous l'empreinte de la résurrection pour les siècles des siècles. Où que vous soyez, ici, dans cette grange du Biéreau, chez vous, en route, dans une chambre d'hôpital, en prison, nous vous bénissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
J'étais venue là pour chercher de l'eau. Il avait grand soif et il était beau. Il m'a demandé de lui en donner. J'étais étrangère et il m'a parlé. Je suis en quête de tendresse depuis mon premier jour. Je suis en manque de caresses au fil de mes amours. Et mon cœur a changé d'histoire quand il a su donner à boire toute l'eau qu'il avait gardée. Il sait plus de choses sur mon passé que vous autres ici qui me connaissez. Il m'a dit le nom de tous mes maris et celui de l'homme avec qui je vis. Je suis en quête de tendresse depuis mon premier jour. Je suis en manque de caresses au fil de mes amours. Mais mon cœur a changé d'histoire quand il a su donner à boire toute l'eau qu'il avait gardée. Je vous ai dit tout ce qu'il m'a confié. C'est la première fois que vous m'écoutez. Il aura fallu qu'il s'arrête ici pour que votre cœur se réveille aussi. Je suis en quête de tendresse depuis mon premier jour. Je suis en manque de caresses au fil de mes amours. Changer d'histoire quand il a su donner à boire toute l'eau qu'il avait gardée. J'étais venue là pour chercher de l'eau. Il avait grand soif et il était beau. Il m'a demandé de lui en donner. J'étais étrangère et il m'a parlé. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, et cette lumière et cette eau, fruits de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons, ils deviendront pain de la vie, vin de la joie, lumière de notre route et source de notre relèvement. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, nous te rendons grâce, Seigneur. Toi qui nous invites à faire germer la joie de l'Évangile sur les traces de François d'Assise. Quelle nuit surprenante que cette nuit de la résurrection où tout paraît finir alors que tout commence. Quel moment surprenant au lever du soleil, quand Marie-Madeleine et l'autre Marie s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre à l'entrée du tombeau. C'est pourquoi, le cœur plein de reconnaissance, nous voulons nous aussi faire rouler la pierre de nos enfermements en chantant d'une seule voix. Corre, 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 ora mami corre, corre.
Béni sois-tu, Dieu notre Père, en cette nuit pascale où la foi est jetée dans le pétrin des religions comme un levain en plein travail. Oui, béni sois-tu quand cette foi ouvre à la résistance et suscite le désir, et quand elle brûle, lumineuse et fragile, sur tous nos chemins d'ombre. Mais béni sois-tu aussi pour le marcheur des routes de Palestine qui nous a donné rendez-vous à l'auberge des Évangiles. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand, ce soir-là, il a pris le pain? Il a rendu grâce et il l'a donné à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Puis à la fin du repas, il a pris la coupe qui était remplie de vin. De nouveau, il a rendu grâce et il a donné cette coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en pardon du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père, amoureux de la création, envoie sur nous ton esprit. Et qu'en cette nuit de Pâques, le cantique de François nous rende attentifs et attentives à celles et ceux qui, dans le monde ou tout près de chez nous, ont besoin d'affection et de pain. Avec Frère Soleil, que nous sachions leur partager un peu de chaleur. Avec Sœur Lune et les étoiles, juste assez de lumière dans la nuit. Que Frère Vent stimule notre audace, Frère Feu notre joie, et que Sœur Eau nous conduise à la source des béatitudes. Que nous soyons aussi de plus en plus attentifs à Sœur notre Mère la Terre, et que notre Sœur la Mort accueille dans sa douceur celles et ceux qui nous ont été si proches et qui nous manquent encore aujourd'hui. Père amoureux de ta création, entraîne-nous même un peu sur les chemins de François d'Assise et qu'avec lui, l'évangile de la résurrection fasse germer la joie de Pâques pour les siècles des siècles. Nous allons redire ensemble maintenant cette prière que François adressait au Très-Haut, devenu le Très-Bas. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à partager un geste de paix.
Heureuses et heureux sommes-nous, nous qui sommes invités maintenant à partager ce pain. Voici l'agneau de Dieu, celui qui encourage le relèvement du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Thank you.
vientre, pasé solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente, que no me abofete otra mejilla después que una garra me araña esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Oui, peut-être que la condition première de tout acte créateur, c'est d'ouvrir un espace en soi, comme l'orifice d'un puits fait communiquer le ciel et la terre. Ouvrir une brèche dans le carcan de tout ce que je connais trop bien et qui m'empêche d'aller vers la nouveauté. Opérer une déchirure dans le voile opaque de mon regard rétréci par manque de vraie lumière. Et depuis le corps en mouvement dans l'espace, jusqu'à l'espace en mouvement dans le corps, devenir nomade, franchir des frontières intérieures, arpenter l'espace inexploré du possible. Et puis, revenir de voyage avec, dans la voix, une note plus claire, dans le geste, une audace nouvelle, dans le regard, l'ouverture sur l'infini, un instant entrevu. Bravo. Ce poème que nous venons d'entendre, récité en pleine résurrection, je trouve qu'il résume assez bien l'histoire de Habib, hein, ouais. Et de sa grande aventure. Mais toi aussi, tu as franchi des frontières intérieures, hein. Ben, je crois que c'est une aventure. Quand on commence à écrire, on sait d'où on part, on ne sait pas où on arrive et on ne sait pas non plus quelle terre inexplorée
de sa terre intérieure, on va découvrir. Je crois qu'inconsciemment, on est poussé par quelque chose qui nous échappe. Et c'est un vrai voyage aussi, oui. Et toi, ton voyage actuel et ton aventure de l'écriture en ce moment, c'est quoi? J'écris, mais comme je disais, je fais des semis aussi. Et les semis, on les met au chaud, on met quelque chose de, tu vois. Et pour l'instant, les germes de mon histoire, c'est des semis. Et si j'en parle, c'est comme si je les mettais au grand vent. Et donc j'ai besoin, et c'est pas du tout par rapport à vous, mais j'ai besoin de ne pas en parler pour l'instant parce que voilà, je dois protéger ça. Et c'est dans la terre. Ouais, mais c'est pas une posture pour ne pas en parler. Hein. Mais par contre, tu as quelque chose dont tu souhaitais vraiment nous parler. Ouais. Ça vient du dernier livre, du livre qui a été publié après sa mort, hein, de Christian Bobin. Ouais, je voulais terminer par lui parce que je devais le rencontrer. En fait, on a eu des échanges pour le film puisque j'avais emprunté dans la scène de Habib face à son père expressément un texte donc du Tréba. On a eu des échanges et puis il m'a dit mais utilise, il n'y a pas de souci, tu prends le texte et tout ça. Et je me faisais une joie d'aller au Creusot lui projeter le film. Et entre-temps, il est décédé. Et voilà, j'étais... Ça, c'est Le Murmure, c'est vraiment son dernier livre qu'il a commencé à écrire chez lui et qu'il a terminé à l'hôpital. Et de ce dernier livre, ce sont ses dernières paroles, très peu avant sa mort, qui il parle à sa compagne, qui est poétesse, qui s'appelle Lydie Dattas. Et je trouvais, ouais, ces mots m'ont bouleversé quand je les ai lus. Je voulais les partager ce soir. Et vous remercier tous, les chanteuses, l'orchestre, toi Gabriel, Sylvie, et vous tous d'avoir été si nombreux ce soir. Donc voilà, me fait plaisir de terminer avec Christian Bobin. Ces derniers mots, ça... Tout est parfait, toi et moi, on est au cœur des poèmes maintenant. La nuit qui s'annonce est sacrée. Elle est plus belle qu'un couronnement royal, c'est une nuit unique. Ça y est, on est en route pour Marciac. C'est le village où il habitait, on est en route pour Marciac. Nos plus beaux jours sont devant nous. La brièveté est gage de salut. C'est en se quittant qu'on se dit tout. Je suis au bout du langage. La poésie n'est rien. L'écriture n'est rien. La musique n'est rien. Mais ce qui n'est rien ignore la mort. Les larmes et les sourires sans cause survivent à la fin du monde. On va vers des jours extraordinaires. On peut applaudir Bobin et Benoît. Merci. Merci. Merci à vous. À vous qui êtes ici, merci à vous au loin. Votre présence nous fait chaud au cœur, en Afrique, au Québec, en d'autres coins d'Europe aussi. Merci encore à Sylvie pour le récit, à Anne-Catherine, Anne-Caroline, Manuela, Christelle et Célestine pour le chant, à Didier, Nicolas, Pierre, Adrien pour la musique et le chant, à Geneviève, Simone, Tancy pour les blés, les maïs, les fleurs du pays de François et toute cette magnifique présence florale tout au long de ces 3 jours. Merci à l'équipe de réalisation de la ferme, Loïc, Dorian, Yves, Benjamin, Thomas et Simon, nos fleuristes, c'est Geneviève, Simone et Tancy. Et merci aussi à toute l'équipe du prieuré, bien sûr, à Patricia, au four et au moulin, à Stéphanie, à Sophie, à Olivier et à tous les bénévoles du prieuré. Merci et bravo à tous. Et un merci spécial avec vous que je voudrais faire tout particulièrement à celui qui a tout tissé de main de maître pour que des diamants de toutes les tailles et de toutes les couleurs puissent nous rejoindre durant ces 3 jours, notre rallumeur d'étoiles, Gabriel.
C'est bien d'accompagner en musique, mais j'ai encore quelques petites annonces. Ils m'ont d'abord surpris. Si vous souhaitez aider le prieuré à poursuivre des célébrations qui espèrent continuer à faire encore dialoguer longtemps culture et spiritualité, à inviter des artistes et des témoins. Merci d'encourager les paniers à se sentir un peu moins seuls à la sortie. Mais un numéro de compte ou un QR code peuvent aussi vous faciliter la tâche. Si vous souhaitez revoir cette célébration ou la faire découvrir à vos amis et connaissances, le lien se trouve dans vos carnets et va apparaître à l'écran pendant le générique. Si les rites vous intéressent, si vous vous sentez appelé à célébrer, regardez un petit peu comment nous avions un brillant célébrant parmi nous aujourd'hui. Pourquoi pas, même dans la simplicité familiale, n'hésitez pas à rejoindre l'école des rites qui, durant toute l'année 2025, a déjà programmé 11 sessions. C'est tout simple, 3xwlepriore.be. Une invitation encore, elle nous tient très à cœur, le lundi 13 mai à 20h30, dans l'église rénovée du prieuré, le formidable spectacle Yule, qui met en scène 4 grands noms de la musique celtique, réunis sous la direction artistique de notre ami Didier et de Pascal Chardom. C'est une production de la ferme du Biérot, et c'est très agréable que nous puissions être accueillis à la ferme, que le prieuré reçoive une production de la ferme. Vous trouverez toutes les informations pour réserver vos places sur le site www.laferme.be. Vous allez à la rubrique Agenda. Celles et ceux qui sont ici dans cette ferme vont avoir la chance de poursuivre la conversation avec Benoît, avec nous tous, et boire le verre de l'amitié. N'hésitez surtout pas à en faire autant chez vous. Le Seigneur soit avec vous, que le Dieu qui nous a rejoints en bordure d'évangile nous bénisse et fasse germer la joie de nos résurrections, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix, plus près des étoiles, c'est l'occasion peut-être de rallumer les lumières. Ils ont quitté leur terre, leurs champs de fleurs et leurs livres sacrés, traversé les rizières jusqu'au grand fleuve salé. Sans un mot, sans un cri, ils ont fermé leur visage de miel, les yeux mouillés de pluie, tendu vers le ciel, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent, à peine un peu qu'avant. Au pied des murs de pierre, ils ont brûlé leurs dragons de papier, refermé leurs paupières sur les chenilles d'acier. Eux qui croyaient vieillir en regardant grandir leurs enfants à l'ombre du sourire, des bouddhas de marbre blanc, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent, à peine un peu.
mi-chemin entre la vie et la mort. Et dans leurs yeux mi-clos, du soleil brille encore. Une île de lumière, un cerf-volant s'est posé sur la mer. Un vent de liberté, trop loin pour les emporter. Un peu plus près les étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Les rivages brûlants, un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent, à peine un peu plus libre qu'avant. On vous rejoint.